Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Campy. Je suis en compagnie de Séphie via Skype. Salut, salut, bonsoir à tous. Voilà. Et nous allons enfin faire la vidéo que j'attends depuis le début de la semaine. Ouais. C'est-à-dire que je vais passer mon héros Anduin, le héros prêtre, en doré. Pour Prêtre cela, doré. on va aller directement dans Hearthstone. Voilà, on est dans Hearthstone. On va aller dans la collection. Vous voyez que j'ai beaucoup trop de decks prêtres. On va enlever celui-là. Et on va en créer un nouveau. De A à Z. Voilà. En respectant des cartes qu'on m'a imposées sur Facebook. Alors, je récupère sur Facebook la liste des cartes qu'on m'a imposées et on va commencer la construction. Donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont proposé des choses. Donc, Marc nous a dit de mettre un choix de Velen. Donc, Pourquoi pas deux? on va déjà mettre tout ce qu'on m'a demandé de mettre parce que chacun ne met qu'une carte. Ok, ça va. Voilà. Ensuite, Dams m'a dit de Dams. mettre Illidan. Ouais, Damien. Pour tout le monde, c'est Dams. Enfin, pour tous les gens qui le connaissent, en tout cas. Alvard m'a dit de mettre Izera. On va mettre Izera. En fait, c'est dur de d'ajouter des cartes au deck d'une seule main. Parce que j'ai la tablette dans l'autre. Donc on a Shadowfind de la part de Antoine. Shadowfind. Tu vois ce que c'est? Shadowfind. Tu sais, c'est la carte qui était trop BD dans WoW, dans le jeu de Ombre cartes WoW. Fiel. Ouais, Ombre Fiel. Guillaume m'a dit l'ardeur. Ogre. Paletress pour Mathieu. Confesseur Paletress. Gaëtan m'a dit de mettre une Résurrect. Davy m'a proposé Doomsayer. Oh, Pour de la synergie dans tous les sens. c'est ça. Victor m'a demandé de mettre jeu d'esprit. Et Adeline m'a dit de mettre le poulet furieux. En effet. Donc on est à 3, 6, 9, 10 cartes. On est à 10 cartes. En plus de ces 10 cartes. Et moi, non? Attends, déjà je vais ajouter les cartes qu'on m'a demandé de mettre en plus. Il y a D'accord. Rudy qui a pas mis en commentaire mais qui m'a envoyé un MP pour que je rajoute Gelbin Oh. Mécanivelle. Sur Twitter, j'ai envoyé un tweet à Ben Broad, qui est le senior game designer de Hearthstone, qui m'a dit de mettre un Lightspawn dans le deck. Donc je le rajoute. J'ai envoyé un tweet à Best Marmotte qui m'a dit de mettre un Eldemort. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que t'as répondu? Non, il a pas répondu. Il a dû avoir plein de trucs à faire et du coup il a pas répondu. Ou il s'est dit, bah c'est bon, Marmotte a déjà mis un truc. Voilà, du coup, juste Marmotte. Mais là on est déjà à 13 cartes. Avec toi, ça va faire 14 cartes, ça va faire quasiment la moitié du pack. Exactement. Qu'est-ce que tu veux que je joue? Un os d'ormeau, s'il te plaît. Oh non, on va l'appeler Golden Anduin. Un os d'Ormu, Un d'accord. os d'ormeau. Ok. Voilà. Exactement. Tu sais que Nos d'Ormu a été corrigé depuis la semaine dernière? C'est-à-dire? C'est-à-dire que maintenant la corde compte à partir du moment où ton tour commence. Avant, la corde commençait à partir du moment où le tour de ton adversaire finissait. Donc on D'accord. faisait des animations. Et une fois que ces animations étaient finies, t'avais le droit de jouer. C'est ça. C'était un peu violent. Alors,
On a plein de trucs très. On a une courbe monumentale. On a des courbes monumentales. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de comboter avec le poulet furieux et accessoirement le lightspawn du coup. Du coup, on va mettre des trucs qui rajoutent de la vie. On va mettre deux Power Warp Shield. On les connaît. On va mettre un deuxième Velen Chosen. Je pense qu'on va mettre des Divine Spirit. Quitte à jouer des Divine Ça a l'air Spirit. bien. Peut-être mettre. On va mettre. Est-ce qu'on met ça? On va Ah, mettre. tu voulais... Non, Tu ça peux mettre Massacreur du Temple? va. Non, non, non. Je vais mettre un Inner Fire. Je pense qu'on va doubler le poulet furieux et qu'on va doubler le lightspawn. Oh non, poulet furieux, c'est quand même compliqué. Par contre, le lightspawn, je pense qu'on va pouvoir le doubler sans problème. Ça, après, on a beaucoup de late game, du coup, on va peut-être mettre de la gestion. Donc, on va mettre une Shadow Madness. D'accord. Je pense partir sur Oshunai, Cercle de Soins. Nova, ça a l'air bien aussi. Ouais, c'est prévu. Par contre, là, il bombe, je suis pas sûr. En fait, ça a tué toutes mes bêtes à moi, C'est ça. donc je vais pas le mettre. On est pas mal, on a un début de truc qui a l'air de ressembler à quelque chose. Est-ce que Inner Fire est si bien que ça? Inner Fire, ça permet de tuer si on se fait silence le Doomsayer, donc c'est drôle. Je pense que c'est bien. Soit je mets un deuxième Doomsayer. Soit je mets un peu plus de trucs funky. Ou juste un petit peu plus de gestion. Après, Ouais, pardon. on peut aussi voir la chose sous l'angle que on risque de mourir, donc du coup si on met des trucs pour pas mourir, c'est bien. C'est-à-dire. C'est-à-dire peut-être des flashines. Soigner de 5, c'est pas mal, ça permet de presque gagner un tour. Non, mais on va essayer avec un deuxième Doomsayer. Hein. Putain, la liste tient en un seul truc. Allez. Tu es prêt à spectate? Tu tentes? Ah oui, j'étais dans ma collection pour voir en fait Pour avec suivre en quoi même tu temps. pouvais jouer, donc il n'y a pas de problème. Alors. Bien, Golden Anduin. La liste est au milieu, c'est. On est prêt à partir. Eh ben c'est parti! La 500e victoire. Si on est fort, on réussit du premier coup. Sinon, On va voir. c'est compliqué. Alors, dès qu'on joue une carte, faut penser à redire les gens qui m'ont fait jouer la carte. Ça marche. Sachant que Doomsayer, si on oublie Devi une fois, c'est pas grave, vu que j'en ai mis un deuxième. Pareil pour Fouchois de Velen, on peut oublier Marc Oui. de temps en temps. T'as joué qu'un seul poulet du coup. Ouais, poulet, j'en ai mis qu'un parce que. C'est peut-être pas ton plus mauvais match-up. On va voir. C'est peut-être un deck pirate, hein. J'ai envie de garder Doomsayer. Oh là là. Ah oh, si, silence. Ah oui. Bon, je vois pas son intérêt de silence, mais on sait jamais. Ah, ça a l'air d'être relativement gros. Oh, elle voit la play trend. Carte de Mathieu. Doomsayer, est-ce que je le joue tout de suite? Ouais. D'accord, tu veux absolument gagner un tour. Bah, c'est bien de gagner un tour. Là, il Il fait rien à faut. part poser une arme. Bah ouais, moi je trouvais pas ça très. En fait, le problème, c'est que s'il pose un autre truc ce tour-ci, dès le prochain tour, il peut. En fait, il peut le tuer. Il fait pièce, je lui rajoute deux, je l'avec tout dedans et.
Il n'y a pas beaucoup de créatures hein, dans ce deck. Ça va. De toute façon, on a tout l'après-midi. J'ai oublié de mettre des mots de l'ombre aussi. Alors. Lidane, qu'est-ce qu'il t'avait demandé déjà, Lidane? C'est Dams. Parce qu'en fait, il en a ouvert 4. D'accord. Ça sent compliqué. Assez. Étonnant le pack en face d'ailleurs. J'en ai entendu parler, mais j'ai pas trop regardé la liste. Très agréable. C'est ouais, tiens. Ça va plus vite que Face Hunter, alors voilà. Ah ah! Le fameux, on l'a! Oh là là! Hé, hey, tu n'as pas perdu! Ah bon? Oh, il va nous le land rage quand même! Sinon, c'est vraiment un gros bâtard! Donc voilà, spécial dédicace à Adeline, on a un poulet 12-6. Mais on meurt. Eviscerate, je pense. Alors. Tout ça. Faut peut-être mettre un deuxième poulet. On n'a pas assez de bêtes pour l'instant. Et pourtant, on m'en a donné plein. Hein. Le problème, c'est qu'elles coûtent toutes 6. Ah, non, je vais juste aller dans la liste. Qu'est-ce que je vais ajouter? On va enlever le fameux deuxième Doomsayer et on va mettre un deuxième poulet. C'est parti. Deuxième essai. On a revu notre copie. On verra. Après, à force de descendre, on va arriver rang 20 et ça devrait être de plus en plus facile. Garde d'ombre style et poulet furieux. Ah. Intéressant. On va pouvoir résurrect poulet furieux. C'est ça, ok. Ou ombre fiel. J'hésite à justement pas jouer poulet furieux pour pouvoir résurrect ombre fiel à coup sûr. Ouais, et faire en fait au premier tour qui est ombre fiel, quoi. Au deuxième tour. C'est une pièce, c'est pas une Innervate. Bah oui, mais tu vas piocher une carte, donc son coup il va être réduit de 1. Mais non, c'est lui qui réduit le coût des cartes. Ah. C'est les cartes que tu pioches qui sont réduites. Ah mince, d'accord. Je te montrerai mon super pack oui. Prêtre miracle. T'as plein de spells à 1 et du coup tu poses ton commissaire priseur, tu fais ombre fiel, tu joues un spell à 1, tu pioches. Le spell coûte 0, du coup tu peux le rejouer, tu peux repiocher, c'est trop drôle. J'avoue que si jamais notre adversaire est TFK, c'est dommage. Si les 3 FK, on peut concede.
jeu en voici du coup. C'est déjà une bête, hein. On a notre combo pour le tour 4. On va quand même le jouer. Tu veux forcer le trade? C'est ça. Le monsieur joue une partie, une tarde, clairement. L'avantage, c'est que même s'il meurt, on sait que notre résurrect c'est un nombre fiel en fait. C'est sûr. Ah, s'il meurt, oui, c'est sûr. Ok. Qui le commande pour ça? D'accord. D'accord, monsieur. Oh. Eh. 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 Eh bah. Allez, c'est parti. Oh là là. On de poulet. C'est merveilleux. Bon. On a un plan. Tour 3, poulet 6, 6, c'est pas mal. Et comme au prochain tour, tu peux faire Ocean Eye Cercle de Soin. Ça va. Ouais. On serait 11 et des bananes. Sauf que là, on va mourir. Cela est tué en 3 tours. Notre poulet. Voilà, 2, 4. Non, notre poulet est tué en 3 tours. Bah, il tue là, là. Je parle de l'adversaire. Si je fais cercle de soins, il met 3, 4, 5, 6, 7. Oui, tu mets 7. En espérant qu'il ait pas les 4 de charge. C'est pas grave, on met des grosses patates au poulet. Allez. C'est pas mal. Oulala. Ça sent le sandwich au pâté. Oh là là, la lumière le brûlera. Oh, il est pour l'infini. D'abord, faut attaquer avec le Genex, comme je pense. On va éviter de se faire du mal. Bon, on sait à peu près ce que c'est, hein. Ah, bon bah, on a perdu. Ouh là là, bien joué. Dommage. On y est presque. On a eu un meilleur. Il y a de l'idée. Mais je me demande s'il faut pas mettre des flèches là. Parce que gagner 5 points de vie, c'est cool. Ouais, on remplacerait par quoi? Je sais pas. Pour l'instant, on remplace pas. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être qu'il faut pas jouer au Chenaille Cercle de Soins, hein, qu'il faut juste. Bah, ça a l'air fort avec. Si, ça a l'air fort avec. Ça a l'air fort si t'as les deux, mais c'est tout. Non, parce que tu peux faire au Chenaille, faux soin du coup sur le. Ah, qu'est-ce qu'avait demandé l'ardeur? C'est Guillaume. Ah, j'ai mis deux Shadow Madness, je vais oublier. Ok. Oh, pourquoi pas. Ouais, on a envie d'avoir un gros poulet. Sachant qu'avec choix de Vélène, ça peut être bien. Ouais, clairement. Bon, et Boladin sûrement en face. Tour 3, est-ce qu'on fait un light spawn ou est-ce qu'on fait un poulet choisi par VLN? Ouais. Là,
On va faire un light spawn. Ouais, je pense. C'est mieux. On va pouvoir doubler ses points de vie. S'il le tue pas. Oui, bah, bien entendu. S'il le tue, on va pouvoir faire une Shadow Madness. Ok. Ça change rien. Alors, oh, tu es optimiste, tu ne crois pas mourir ce tour. Ah, faudrait qu'il ait soit béné des rois, soit soit championne, soit Leroy. Ouais. Ça fait beaucoup quand même. Oh, ce bâtard. Non mais allô quoi, le mec il trade. Bon. On est redescendu rang 12, donc déjà c'est pas mal. Le but de la vidéo c'est pas de que notre rang soit le chiffre le plus grand possible, tu vois. Faudrait que tu me fasses penser quand je uploaderai la vidéo de... De couper le début. Non, 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 de faire des balises pour jump les... Ouais, les games. Ouais. Ça marche, aucun problème. De toute façon, ça se fait après uploader la vidéo, mais... Mais c'est bien de le faire. Alors, on disait quoi? On disait... On disait. On disait, je suis un poulet. Merde. J'ai enlevé quoi? Je voulais enlever une Olinova. J'ai enlevé deux Olinova, j'ai enlevé une Olinova ou autre chose. Très certainement, ce qu'il y a au-dessus et en dessous. Et en dessous. On enlèverait pas une Shadow Magnet aussi? En fait, là, j'enlève tout ce qui est tout ce qu'on m'a pas imposé. Merde. D'accord. Tu recommences à zéro, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est parti. On est à 13 cartes, c'est ça? Environ. Oui, non, mais 13 cartes imposées. Oui, environ, ouais, ça doit être ça. Ouais, si, c'est ça. Ok, alors du coup... En fait, on a 3 dragons late game. Ouais, avec Paincrest aussi qui est quand même vachement dédié. Du coup, on va jouer des Wyrmwraith Adjunct. C'est-à-dire? C'est la, tu sais, la taunt si t'as des dragons dans la main. Ah oui! Est-ce que tu n'aurais pas aussi le dragon épique qui gagne une bonne attaque et... Si, si, je pense faire un espèce de Dragon Priest Show. Dragon Priest, bah du coup tu joues aussi tes petits dragonnets de 1 qui gagnent plus 2. Ah. Comme ça, ça te fait de quoi bien gérer l'early game. Ouais. C'est plus intéressant parce que c'est là-dessus qu'on a pêché sur les deux games. On va mettre ça. Après maintenant, on va mettre des trucs pour booster nos bêtes. Donc on va mettre 2 Shadow, 2 Shield. Mettre le deuxième choix de Vélène, il est important. Ouais. Je ne sais pas. Et du coup, cette fois, on peut mettre une bombe de lumière. On peut mettre cette bombe. Je sais pas. Deux Olinova sur. T'as combien de cartes? Là, je suis à 24. 24. On va mettre un Shadow Ward Death, un Shadow Ward Pain. Ouais. On a 26 cartes. Les clérics, faut peut-être les mettre, je suis pas sûr. On met 2 Divine Spirit quand même.
Ce petit Inner Fire, il fait rêver. Et on va mettre une carte que j'apprécie particulièrement. Parce que c'est une Valkyrie, je vais mettre Aedis Darkbane. Ce serait bien de trouver de la place pour Fiola aussi, mais... Non, je préfère Aedis. Oui, non, mais j'aurais bien mis les deux, tu vois, mais... Ouais. On n'a pas la place. Alors, on va essayer comme ça. Ok. Ça va être un Dragon... Chinese Priest What the Fuck Barbecue. Exactement. Ça va être drôle. Mais sans sauce. C'est ça. Alors. Alors, Druid. Druid Bess. Très bien, on a Aedis, je pense que c'est pas trop mal. Ouais. Lui, je sais pas si on le garde du coup. Bah si. Alors, on aurait peut-être pu mettre des Drake aussi. Le problème en fait, c'est qu'on peut pas enlever les cartes imposées pour mettre d'autres trucs à la place. Mais première carte poulet, comme ça, ça force la colère et on pourra jouer le dragonnet derrière. J'y crois pas. Alors, on aurait peut-être fallu le faire. Mais là, il a rien à... Bon, il va pas claquer une pièce pour... Bah, pour un Hero Power, non. Mais peut-être pour une croissance sauvage, du coup. Non, même pas. Il a pas. Eh, c'est combo. Bon, voilà. Si t'as demandé de mettre mes canivelles, Rudy. Okay. M'envoyer un MP Facebook pendant que j'étais à la pizzeria. Dire que je l'ai eu en doré, moi, celle-là. Aedis? Ouais. Oh. Elle est trop belle. J'imagine. En fait, j'ai crafté pour essayer de faire des trucs et ça marche moyen. Et je ne désespère pas de trouver des... Allez. Allez, papa. Ouh, il y a moyen d'être ultra violent. Oh, il y a moyen d'être ultra violent. Ouh là là. Bon. Le monsieur en haut doit dire ça, il est 8. Silence. A priori. Ouais, gardien du bot. Obligatoire. Ouais, on continue à face comme des. Je pense que le deck n'a pas forcément beaucoup d'autres plans de jeu. Il commence à être un peu déçu, il va devoir faire, bah, il va faire un petit peu d'armure grâce à ça. Ah. Il va venir chercher le dragonnet. Bon, bon, ouais. Bon. Formidable invention. Attention. Ça soigne une... au hasard. Ouais, il est pas si mal. Ah, c'est dommage. Échec. Allez, c'est le moment. Je crois que tous nos rêves là viennent de s'envoler sur, sur ce soin raté. C'est la fin du monde. on a nos sorts, nous. On sait jamais. On a du late game. Est-ce qu'on n'a pas envie de soigner son... Enfin, 3. Non. Son avis, ça soigne soit ça, soit ça, soit ça. Ouais. Donc, du coup, faut laisser le maximum de cibles endommagées. On a... Rudy voulait absolument qu'on ait la...
La construction qui transforme en poulet, mais. Là, on n'est pas maître, on verra. Exactement. Hey, mais on peut toujours piocher le dehors. Oui. Oui. Ça sert à rien. Là où l'innova sert vraiment à rien. Bah, ça va endommager ses bêtes et pas lui faire perdre point de vie. Donc. Ça va commencer Plus comme ça ça. va, moins ça va. On avait bien commencé, mais. Mais on a du late game. On a beaucoup de late game. On a Peltres. On a. Bah, du coup, je pense que c'est Nozdormu au prochain tour, quand même. Pas si je pioche Peltres. Ah oh. Ah. Non. Non, faut le forcer à venir chercher tes bêtes. Et s'il fait la combo, peut-être qu'il arrive pas à aller assez vite et Ah non, il tue. a pas le temps, je pense. Regarde la preuve. Ah non, enseignante. Full face et Drake, ok. À nous. Allez, c'est parti. Oh! Oh! Est-ce qu'on le fait maintenant? Non. Si. Non, t'as Si. pas le choix, non? Je suis obligé. Coucou. Eh ouais. Eh, c'est pas grave. Ah, une taunte! Ah non. Par contre, il nous. Bon. Bon, on y va, hein. Oh! Ah bah non, on n'a pas de dragon en main. On a un dragon en jeu, je suis con. Bon, de toute façon, en Bah, de toute fait, façon, faut y aller, hein. si on fait ça, si on fait ça, on peut pas gagner, donc. Bah non. Faut y aller. 3. On sait jamais, on peut tomber sur. Bah non, il dit on l'a déjà trouvé. Non, bah je sais pas, mais. Ça l'oblige à venir le chercher, quoi. Sauf s'il a un BGH, mais. Sauf si c'est un boost. 10, 15, 17. 2. Allez, dans nous. Ah non. Pas du tout, car son. Prends. Doomsayer. On prend 8 quand même. Ça fait mal. On n'a pas moyen d'aller lui infliger 4 à un moment. Juste par sa vitesse. Lui infliger 8, je crois. 8, c'est plus compliqué. Ah, dommage. Bon, bah, c'est la fin. On aurait peut-être dû mettre le. De quoi? Bah, lui. Au début, comme ça nous aura permis d'avoir une présence bon, sur le bord. 8, Ça 5, change 13. rien, ça Ah change. là là. Bon, c'est la partie où on s'est le mieux débrouillé, Je mais. pense qu'on va rester sur la version comme ça. Ouais, je pense que c'est pas mal. Et je crois que si ça marche moyen, on enlèvera les Olinova et on mettra des cartes pour voler la partie. On mettra des Mind Blast et tout. Oui, il y a moyen. Et là, on en aurait eu un, c'était fini. En fait, on prend les cartes imposées, on met des cartes de cancer pour remplir. Un miroir. Pas un vrai miroir. Ouais, bah, non, mais en face, ça va peut-être être un petit peu plus mou, donc du coup, on va peut-être réussir à faire quelque chose. Je sais pas si je garde le petit dragon. Je le garde pas. Ouais. Ok.
T'as rien gardé du tout. Non. Remarque, elle est belle la main. Trois légendaires dorés. Ah, dommage. Et une quatrième. Non. Pas en doré, celle-là. Non, je l'ai déjà craft exprès. Ah, tu vois, c'est pas trop dragon en fait. Bon. et oui, monsieur. Et oui, c'est la main qu'on veut voir, les gens. Pour le druide doré, ça sera plus facile. Parce que si les gens ils proposent des cartes trop chères, on mettra toutes les cartes de rampe qui existent. C'est ça. Ouais, on le met parce que si nous le mange, bah on a gagné un tour. Et après, on va faire grosse bête, grosse bête, grosse bête, grosse bête, grosse bête, grosse bête, grosse bête. Bah oui, j'ai l'impression qu'on va, bah, on va avoir tout ça. Eh, mais on pourra jamais la gérer en fait, celle-là. Non. Il va nous tout au dragonner. Ouais. Ouais, d'accord. Oh. Eh. Eh, regarde. Qu'est-ce que ça fait pas rêver? La touche Lévi. Et là, il est déçu. Est-ce qu'on dit bonjour? Non. Ah, c'est merveilleux. Bah allez, Lightphone, bim. Allez. Allez. Eh, mais en face, eh, les gens qui jouent contre nous, ils doivent se dire c'est quoi, toi? Qu'est-ce qu'on fait? Non, il trade. Oui, pardon, c'est ce que je voulais dire. On a tellement de late game en main. Ok. Allez, c'est parti. Elvin. Ah. Ouais. Sur la Isera. Lui, il va mourir le poulet, je pense. Oui. Malheureusement. C'est pas grave, ça nous fait gagner des points de vie en traitant. C'est ça. Bon, derrière, on tente le petit jeu d'esprit quand même. Je pense. J'avoue que sur Isera, ça ferait tellement rêver. Non, il y a beaucoup de bêtes dans Prêtre Dragon. Énormément de bêtes. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura pas une 2-1. C'est ça. Pour aller le chercher de manière complètement chelou. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais du coup, on va piocher 3 cartes. Ah oui! Ah oui, 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 j'avais pas réfléchi à ça, mais oui. Merci, monsieur. Alors. Dragon, jeu d'esprit ou double dragon? Très bon film. Oui. Non, ce n'est pas bon. Et en doré. Doré. Corrupteur doré. C'est pas le thème de la vidéo. C'est ça. Doré. Ah là là. En tout cas, je tiens quand même à remercier tous les gens sur Facebook qui ont participé à donner des noms de cartes de merde. Et également, hein, Best Marmotte, franchement. C'est ça. Et Ben Brode aussi, quand même, sur Twitter, qui a été d'une réactivité incroyable, quoi. Les deux, chapeau à eux, parce que du coup, ça nous aide. Enfin, c'est vraiment sympa, quoi. Ils étaient pas du tout obligés de le faire. Et du coup, ça nous. C'est ça, et je pense qu'ils sont un peu submergés de tweets. Donc, et ils ont pris du temps. C'est. Moi, je. Voilà, vraiment chapeau, quoi. Alors, est-ce qu'on fait pas. On tue sa bête. Oui. On pose un dragon. On fait, voilà, et on double ses points de vie. Non. Non. Non, parce que. On a pas envie de se prendre un Vol'jin.
De se prendre quoi? de se prendre Vol'jin. Ah, ah oui, c'est pas faux. Et puis j'ai des plans pour ce Divine Spirit. Ok. Bon, on a bien fait. T'as déjà vu l'animation de la Paltrès ou pas? Oui. Bon, pour les gens qui ne l'ont pas vu. En vrai, je sais pas si c'était le bon play, mais. Ouais, bah. On a toujours elle de mort, hein, au cas où. Ce qui serait bien, ça serait que notre adversaire défonce complètement sa main et à partir de ce moment-là, ce serait intéressant. Il peut cracher tout son board pour gérer nos bêtes. Oui. Il garderait un 3-6 qui, s'il fait les trucs dans le bon ordre, passerait 3-4. D'accord. Ah non, il va en mode YOLO. Dommage. Je pense qu'il est déçu. Pas trop ce qu'il attendait, mais. Je sais pas. Ah oui, d'accord. Donc il va. Ça commence à être difficile à gérer là. Mais pourquoi il a fait ça? Il aurait pu piocher gratuitement. Bon. On est content, mais c'est pas très. Il est pas excellent en fait. J'ai envie de faire elle. Ouais. Moi je suis pour. Après, ça va plus faire quoi intérieur. On aurait une vie. Pourquoi avoir une 12-12 quand tu peux avoir une 24-24? Parce qu'on va avoir du mal malgré tout à passer ces 2-3-6. Alors, attention, il s'éteint. Again. Il est égal. Et là, tu fais comment? Je réfléchis. Mais ça ne va pas suffire de réfléchir. Y a trop de dégâts. Il y a beaucoup trop de dégâts. Bah c'est l'heure du déswing alors. Ouais, bah y a pas de chance. Mais on perd tellement en fait. On a fait beaucoup de CA et on perd tellement de CA. C'est pas grave. C'est pas grave, s'il gère pas, on tue en 3 tours. Et la main contrôle. Comment? Nous ne sommes pas encore morts. Même si c'est la mission retardée. Eh hey mais t'arrêtes, tu vas nous porter la Shkoumoun là. Là on est bien. Tu vois, il va chercher des solutions tellement il est nulle part. Nova, je pense. Hey. Donc on en vient à est-ce qu'il faut mettre des cartes pour voler la game ou pas? Là ça servait à Là, rien. non, là honnêtement, c'était pas la. Bon, on va gagner du temps, hein. Parce que la La vidéo vidéo, ça durait 3 jours. risque d'être longue. Et on n'a pas vu le poulet sur cette game. C'est pas cool. Non. Ça arrive, hein.
Je pense que je garde juste le la taunt. Oui, je pense aussi. Là. J'ai pas assez de boost pour pouvoir garder Pooler en main de départ. Ah là on a une main, si ça se trouve l'adversaire va concéder sur ses... sans savoir ce qu'on joue. On a une excellente main de départ. Alors, donc c'est Endlock en face. Coil. Voilà. Oh, il l'avait. T'es sûr que c'est Handlock? Du coup, on fait pièce Mind Games. Si c'est Handlock, on est obligé. Si c'est Handlock, on est obligé. Ah, il faudrait pas qu'on ait un. Faudrait pas qu'on ait un drive du crépuscule qui arriverait 4-1. Oh non! Presque, presque. On peut pas la remonter en main? Oh! Ouais. C'est dommage. On aurait pu avoir, hein? On aurait pu avoir un gros géant ou un Jarexus. Ouais, mais. Mais non! Alors. Pas voulu mettre le deuxième gardien. Oh là là. Non mais Non, parce qu'en fait, je voulais l'obliger à taper dans celui-là si... ouais. La chouette. Non. Mais J'étais c'est pareil. pas loin. J'étais pas loin. Elle met contre Endlock, elle de mort, ça fait la game, hein, donc on n'est pas mort. On a un mot de l'ombre Dès lors qu'il pour... va commencer à foutre tous ses géants, tu fais aile de mort, il a plus de kill. Après, quand tu joues bien Edlon, tu joues juste un géant et ça suffit. Ouais, théoriquement. Il va contrôler pas que Mou en tout cas. Bah, tu préfères les jouer un par un, surtout qu'il peut y avoir la light bomb quoi en face. Donc, ah. Left dead. Oh. On s'en fout, hein. Ah bon. Le monsieur en face, il va se dire pourquoi un poulet? Ah, j'ai l'impression qu'on n'a pas de pioche carte. Est-ce qu'on mettrait pas des. On n'a pas la place de mettre des trucs. C'est ça le problème. En tout cas, je pense que le plan, le thème dragon, c'est pas mal. Bah c'est moins mauvais. Ça fait des cartes qui ont des bonnes stats par rapport à leur coup de mana C'est le moins mauvais qu'on ait pour leur vu. lit. Clairement, on a l'impression d'avoir le contrôle de quelque chose. Ah. Oh. D'accord. Vite, 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 vite. Oh non! Ah, le monsieur il manque de fun par contre en fait.
C'est ça. Non, mais c'est des gens qui... C'est un mec qui... C'est les gens qui tryhard, tu vois, c'est... J'avoue que dans Endlock, elle est vachement bien cette légendaire. Je sais pas. Dans Headlock, il y a un moment où t'as plus trop le droit de faire ton pouvoir héroïque en fait. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, oula. Bah, on n'est pas mort alors. Ah. Tu crois que lui va nous le laisser en vie? Je pense Ah pas. non, non là cette fois. Il n'inflige pas 24, mais monsieur, il inflige 23. Eh. Bon, ben on est mort. 18 de létal. Alors, franchement, t'as pas envie de mettre une light bomb? Je sais pas. Non, j'ai envie de mettre des mind blasts comme un autiste. Et je crois que ouais, non, on va modifier un peu le pack. Ouais. Je pense aussi. Alors, Golden Wind. Ça, c'était pas de base dans le deck. Ça non plus. Les dragons, ça y était pas, mais on va les laisser. Ça y était pas. Ça y était pas. Ça y était pas. Ça y en avait un. Ça y était pas. Tous les gardiens, on les laisse. Solifier, ça y était pas. Ok. Donc on est à 19 cartes, donc ça fait 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok. Alors. Comment on vole des parties? On vole des parties avec deux Mind Blast. Avec deux Holy Fire. Du coup, il nous reste 7 places. Est-ce qu'on met Velen pour aller avec Mind Blast? Ouais. On met deux Power Ward Chain pour bloquer. Pour buffer nos trucs. Il nous reste deux emplacements. Ok. Sachant que là on a 0 anti-bête pour l'instant. Du coup on peut mettre. Il nous reste 4 trucs. On peut mettre une light bomb. Une ou deux Nova. Un mot de l'ombre mort. Mot de l'ombre douleur, je sais pas s'il est très bien. Une Shadow Madness. Oh je sais pas. En deuxième Nova. Ah non, on est bon là. Bon. Un mot de l'ombre mort. Une Holy Nova. J'ai mis deux Light Bombs. C'est beaucoup de Light Bombs, peut-être, non? Je sais pas. Non, j'aime bien. Allez. Allez, c'est reparti. Let's go. On est en 13! Ah merde. C'est pas grave, ça remonte vite hein, à ce niveau-là. Moi, bon, je jouerai Paladin et puis. D'accord. Je préfère affronter des prêtres que d'autres trucs. Ça se garderait presque, ça. Enfin, nous dormons. Si, comme ça on est sûr que le gardien il Garde. bouge. Ok. Notre adversaire a jeté toute sa main. J'ai remarqué également. Ah. On aurait pu jeter nos dormeaux. Non, ce qu'on appelle résultat orienté. Ouais, c'est pas encore. Alors le problème c'est que le jouer, ça le motive à continuer la game s'il avait une main de merde. C'est pas faux. Are you mocking me? Un petit peu, un petit peu.
Choix de Vélène, allez. Light bomb. Monsieur en face n'a plus la pièce. J'avoue que Light Bomb contre Prêtre Dragon, c'est pas ce qu'on veut. Hein. C'est pas grave. Contre Prêtre Dragon, tu veux Ocean Eye, Cercle de Soins. Mais on l'a pas. Ouais, et Assemblé, c'est dramatique. Oh! Va-t-on réussir cette fois? Oh, c'est bien passé. Faut qu'il crache un choix de Vélène s'il veut. S'il veut le tuer. Ok, ça passe. Oh. C'est ça. Bien. Pour l'instant, honnêtement, c'est la carte qui a été la plus rentable hein, de celle qu'on nous a donnée. Je me demande s'il faut pas en mettre un deuxième à la place de la deuxième Light Bomb en fait. De l'avoir plus souvent et de mieux gérer leur lit. Peut-être. Peut-être. Oh, les petits bons. Assez, assez. Eh ben écoute, soyons aussi pénibles que vous. Oh. Allez. Je sais pas si c'est bien, mais c'est pas. On t'aurait... T'aurais pu l'attaquer, non? J'ai pas envie d'attaquer sans pouvoir soigner ma bête. Alors, c'est faire... quoi le plan? Ah, c'est light bomb et pan. Ouais. Patates. Ok. Oh. Bah, tant pis, il piochera, hein, mais bon. Ouais, ouais. J'ai pas envie de soigner ma bête. T'as pas envie de le faire piocher? En fait, ça le fera piocher, quoi qu'il arrive, il va soigner sa bête pour piocher. C'est pas. Ouais, d'un autre côté, enfin, presque plus, parce que du coup, il aurait cramé pas mal. Bah, en fait, le problème, c'est que Prêtre ouais, Dragon. Derrière, ouais, Prêtre Dragon sans pioche, c'est vraiment pas bien. Ouais, mais s'il soigne sa technicienne, du coup, il la garde, il pourra la re-soigner encore au prochain tour. Ah, cool! Quelque chose pour là. Alors. Isera. Ouais. C'est pas mal. On peut remonter mes canivelles pour avoir une autre invention. C'est ça. Ou elle de mort pour faire deux fois brasse. Ah bah non. Ou on pas. Se la défaussera la carte, c'est con. Ah, il arrive à venir la chercher. Par contre, il a pas de mots, il aurait pu piocher un en plus. C'est ça. Alors, il estime qu'il a tout ce qu'il faut en main. Oh, bah voilà. Mec. Ouais, mec à nivelle. Hein. Mec à nivelle, et est-ce qu'on ferait pas le mot de l'ombre sur son Chromagus quand même? Ah, mais complètement. Allez, sur nous. Bon, on est quand même pas. Alors, lui avec Ocean Eye, ça met des patates. Hein. Ah oui, c'est vrai, ouais. Bon! Tiens, prends 6. Ah, donc
comme c'est l'une des cartes qu'il a pioché sur Chromebook. Il en avait déjà voulu voir. Ok. Oups. Qu'est-ce que fait? Fais un main game, ça. Allez. Dommage. On le rejoint en main. Et on joue. Je pense pas que ça soit assez bien. Je pense que manger un ça, remonter mes canivelles et le rejouer, c'est mieux. Ouais, je pense que c'est... Je suis relativement bien. Allez, le mec. Aha ! C'est forcément sur nous, c'est bon ça. C'est ça. C'est bon ça. Il a pioché beaucoup plus que nous. Du coup, si jamais on va à la fatigue, on a gagné. Faudrait qu'il s'amuse à remplir son... Oh, sans déconner. Putain, le monsieur, il consomme vachement de ressources, je trouve, pour qu'une un board qui est pas non plus... Là. Ouais. Bon bah, ça nous dorme. Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Genre j'ai doux, genre j'ai prêt. Ah non, c'est pas ça, c'est pas tic tac. Pardon. Est-ce qu'on a un moyen de la gérer, si on verra? À part avec des swings, non. Je pense pas. Est-ce qu'on a envie de jouer des swings? Enfin. On soigne. Tiens! Vous attendez pas celui-là, hein? Illidan, monsieur! Oui, oui, oui! Ok. On est déçu? Quel sac à merde! Là, on est un peu déçu. Mais bon. Je vais essayer de rentabiliser des swings au maximum. C'est ça. En fait, s'il a les boosts pour nous tuer, des swings changent pas grand chose. C'est pour ça que j'ai envie de balancer un Mind Blast avant. Ouais. En fait, j'ai pas envie de perdre un Mind Blast sur des swings. Oh là là. Bon, du coup, il va avoir chopé une autre Light Bomb. Oui, ou Maudlon ou machin. Ou... Mais c'est pas grave. Voilà, on n'a pas le choix par contre. Ouais, il nous faudrait une Peltresse. Peltresse, ça serait bien. Ouais, je pense. Peltresse que... into Tyrion. Oui. Je pense que c'est un des meilleurs choix. Ah, non, il a forcément une réponse. Mais... Oh là là, il joue ça. C'est bien dommage. Même Peltresse. Oh. Oh bah. On peut pas attendre. Non, sinon on est mort. En plus comme ça, face à 3-1, elle est relativement vite. Ah, comme poulet furieux si on le pioche. Non, il est déjà passé. Il est déjà passé. Il est passé. Par contre, je crois que notre ressuscité, il est pas passé. Donc du coup, on se fait. Ah, ça va être compliqué quand même. 7, 4. Hey ! Non, je le fais pas dans sa gueule quand même. Non. J'ai pas assez de dommages. Pour... Est-ce qu'on a quoi gérer sa meuf 10? Je sais plus. Ouais, j'avoue que Tyrion. Ah, allez! Oh! Du coup, je mettrai là. Attention! Attention, Mathieu!
On va voir si t'as bien choisi ta carte. Presque. Quel dommage. Put your face in the light! C'était mieux, tu vois. Bon, allez, on procède. Bon. Encore une fois, bah je pense que c'est pas mal, hein, mais C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Après, je sais pas si les... Comment ça s'appelle? Si les main blasts sont bien quand même, mais bon. je pourrais remplacer par quoi? Je sais pas. Par des mêmes cartes. T'en as mis deux? Bah, tant qu'à faire. Tu joues aussi deux flammes sacrées? Ah. Alors, on joue contre un Rexar. Je pense que l'on jette tout. Ouais, je pense aussi. Même si Holy Fire, il n'aime pas. Ah. Doomslayer, C'est pas mal, c'est c'est pas mal. l'Amérique. Exactement. Et ça, c'est encore mieux. Le top deck. Jongleur de couteau. Deck. Oh, et si on perd, franchement. Oh! Oh là là! Non! Du coup, il a un silence. Non. Si on pose Doomslayer, là, il fait Hero Power fin de tour. Oui, je crois qu'il rigole, ouais. On est d'accord. Bon. Je pense que ça Alors, va c'est bien être de faire son bête. Hero Power dans le vide, ça bluffe le Frost Giant. Oui, c'est vrai. Bon. Faut bien qu'elle tombe à un moment, hein. Ouais, on est d'accord. Il va devoir chouette. Ouais, je me dis que Illidan, il serait 5-7. Il serait quand même bien meilleur. Je me dis qu'Illidan il coûterait 4 mana, il serait meilleur. Il coûterait 4 mana, il ferait des 3-5. Et pour Oh, équilibrer, il ferait monsieur! des 1-1. On a tellement gagné de temps là-dessus. Ouais. Oh, Ah. c'est bien Light Bomb. C'est très très bien, Lightbomb. J'ai l'impression qu'on t'arrête, par contre. C'est qu'une impression. Ah là Ah, c'est moins bien, là. Light Bomb, Lightbomb. elle marche pas bien là. Je pense qu'il y a un mot de l'ombre qui va partir. Il n'a plus d'armes. Bon, limite, c'est le moins pire. Non, il aurait pu faire J'aurais deux demi-tours. préféré la 4-4. Bon, bah là, par contre, on n'a pas trop de choix. Ah oui, c'est pareil. Allez. Ah. C'est la déception. Ma déception. Oh! Coucou! Ah, dommage. La deuxième a mis 4, c'est tout. Bah ouais, t'as pas le choix. C'est chiant. Ça dépend, on peut avoir ça qui soigne. Allez. On a perdu. Raté. Ouais, on est mort. Ouais. Elle va nous montrer ce qu'il avait.
Du coup, tuer le machin, ça servait, ça changeait pas grand chose. Va-t-on y arriver? Mais oui, on va y arriver. On n'a pas le choix. C'est un défi. C'est ça. Encore une, après je vais faire une pause, prendre un verre d'eau. Non. Parce que sinon je vais me dessécher. Ouh. Mais bon, il se passe des trucs rigolos, donc c'est bien. On gardera Gwené en brochure. Ouais, je pense. Ça va pas l'air trop mal. Est-ce qu'on coigne une 2-4 taunts? Bah, ça va dépendre de la carte qu'on cache. Alors je pense qu'il a une bonne propension à concéder sur sa tour. Allez. J'y crois. Ah merde, du coup on avait pioché un dragon entre temps, on aurait pu faire une. Je suis pas là. Pour lui mettre la pression. Ça l'empêche de faire Hero Power dans notre tête. Il va faire Hero Power. C'est bien aussi. Oh, le double dragonné. Et là, on est en mode un petit peu. C'est pas ce qu'on dit. Il est relou, mais. Ah, mais. Faut le faire tilter, c'est le but. Quoi? Ah oh oui, remarque qu'il pourrait le gérer avec les deux. Non, non, non. Je vais peut-être soigner Dragonier en fait. Ah, j'avais mis Vélène aussi pour. pour Mind Blast. Ah, t'as mis Vélène? Mind Blast. Bah, avec Mind Blast! Ah, ouais, d'accord. J'étais pas sûr et en fait, si, je l'ai mis. Nature! Les emotes, t'as mis n'importe comment. Par contre, je sais pas si en coupant ses icônes, lui, ça lui empêche de les faire ou si. Il est fait, non, mais. Ça lui empêche pas maintenant, il arrête pas de le faire, mais on s'en fout, il y a personne qui le voit. C'est ça, d'accord. D'accord. Comment il se donne. Il a dit feu, quoi. Ouais. Il a un cas. Presque. Et ma déception. Bon, c'est pas grave. C'est pas trop grave. Et pas inquiet ou connu. Et ben voilà, parfait. Et bim. Et ouais, monsieur. Putain, j'ai du Jennifer dans la tête. Au soleil? Non. Ma révolution, sauf que là, c'est ma déception. Porte ton nom. Ah là là. Est-ce qu'on attend de jouer Vélène pour faire les flammes sacrées ou. C'est greedy. Je pense qu'on peut pas trop se le permettre. À un moment, j'ai fait Vélène Flash Heal. C'est cool. Pan, je me saigne des 10. Un druide combo classique.
Les gens n'ont aucun panache. Ah! Un deuxième. C'est parti. On gagne tellement de temps grâce à ça, c'est ok. Hein. Je sais pas si en jouant nos dormous, le monsieur a le temps en fait de faire sa combo et. Normalement, ouais. Ouais. Moi, si. Il faut qu'il soit super rapide. D'accord, double. Ouais, bon. À mon avis, il l'a en main hein, pour commencer à jouer comme ça. Allez, le top deck Light Bomb. Même Olinova, on est content. Et on peut même pas. On peut rien faire du tout là. Ah ouais. Coucou. Ah, il est en train de compter. Je pense qu'on peut dire bien joué. Je ne dirais pas bien joué à cet homme. Non. Ou alors, il est en bas de mana. Ah. C'est faut reconnaître, c'est ça? Ah, du coup, il avait pas le tout. D'accord, on a gagné un tour. Ah. Allez, put your face in the light. Attention. C'est pas mal. C'est pas trop mal. Pour l'instant, c'est pas ouf. Ça aurait pu être plus gros. Ça aurait pu être Mal'Ganis. Ouais. Beaucoup mieux contre un contre un combo. J'avoue. Je suis déçu. Ah. Oh, il va venir la gérer quand même, 34, il a pas le choix. On est d'accord. Mais si, joue une autre carte. Joue une autre carte et prends-toi un. Ah, il est mort. Prends-toi un des swings, vas-y. Non, il va pas jouer. Ah non, il grid. Il face tank. Du coup. Ah oh bah là, le plan de jeu est clair. Ah bon? Mais oui, c'est clair. Eddy, Malou. On est obligé, on n'a pas le choix. Il va chercher des solutions. Bah, il va aller chercher un combo, bah, à peu près un combo, quoi. Même s'il a déjà utilisé un rugissement. Alors, obligé de tempo. Oh. 9, 10, 11, 12. Allez. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut pas jouer si on a ça et qui nous font qu'on meurt pas? Non. Moi, je pense que j'aurais tant pour ça.
En fait, on peut pas gagner. Mais si. On peut pas gagner sans taper dans sa tête avec ça. Mais si, on a Isera, on a. Non, il met une cloque beaucoup trop grosse. On avait Light Bomb. Enfin... Non, Light Bomb, les deux étaient passés. On a passé les deux? Ouais. Tu vois, il nous vomissait des 4-4, on pouvait rien faire. Bon. Close one. Et du coup, Close je me one. dis, peut-être faut pas jouer les Mind Blast. Non, je pense. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place? Alors, allez, on retourne sur la collection. On enlève un Velen, on enlève Ouais, deux Mind Blast. parfait. Je pense qu'on met un deuxième Doomsayer. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je ne sais pas trop, je consulte ma collection. On peut mettre un Sarad, un Nexus Champion de Sarad. On n'a toujours pas vu l'ardeur, hein, mine de rien. Non. On peut mettre deux Healbots. Oh. Non, bah mets des flashs, flash heal. Du coup. Flash Heal sans Ocean Eye, c'est moins fort, hein, mais bon. C'est pas faux, mais. Allez, 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 allez. C'est parti! Après, c'est vrai que les healbots, ça peut être sympa aussi. C'est des mechas, ça fait des combos. Non, pas avec notre tête. Allez, on joue contre Hulk. On va le défoncer. Wow. On garde que le dragon. Ouais. On a un plan. Oh. J'adore qu'un plan se déroule sans accro. Sans aggro. Sans aggro, ça sera pas mal. Après, on commence à se rapprocher du rang 14, tout ça. C'est ça. Plus ça va aller, plus ça va aller. Exactement. On va être obligé de mettre les deux dedans. Ouais. Sans que notre dragon ne meure. Et ça, c'est de la bonne pioche. La Nova ou Ouais. le mot? Le mot était une bonne pioche, into une autre bonne pioche. Ouais. Ah oui. Je pensais à la Nova. On va j'ai envie de pousser le vice, je suis désolé, mais. Ben non, mais t'as raison. Mais t'as exactement raison de faire ça, parce que c'est la consécration, sinon t'as 2-2, elle mourrait. Voilà. Ah. Non, c'est bien. Y a rien à dire. Et puis vu le coût de Après, nos cartes, des petites réductions, ça sera pas de refus. ouais. Oh. Regarde. Oh non. Ah bon? Pourquoi? Ah, parce qu'il vient la chercher gratuitement, en fait. En attendant, on met la pression en fait.
Ouais, mais la 3-6, il aurait fait. Enfin, je pense qu'il aurait aussi dû venir dedans avec. En fait, tu vois, s'il fait Schlappe 1-3-6 consécration, là on a deux points qui survivent. Ah. On a quoi qui est Non, mort? pas encore. Non, on n'a pas grand-chose. Non, Non, on a plein de 1-4. elles auront pas la taunt en plus. Donc. Moi, je pense taper là-dedans Olinova. Ça dépend de ce qui pop. Ouais. Bah, du coup, Olinova et le Drake va dedans. On remet du board, allez. C'était pas ouf, hein, mais bon. Alors, je tiens à dire que à part Ambrosiel, pour l'instant, on n'a rien eu de extraordinaire des cartes que vous nous avez proposées. Donc, Ah, le Doomsayer. quel dommage. Ça pourra servir après. Hein. Ça pourra servir plus tard, il n'y a pas de soucis. Allez, on y est. Attention, attention. 9 points de vie à notre adversaire. Il ne peut pas encore jouer Tyrion. Il peut jouer Edric le pur. Non, juste un garde-paix. Il joue le petit frère d'Edric. Exactement. Ah, juste. C'est un peu chiant parce que du coup, il. Oh bah. C'est un peu douloureux. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Pense qu'on fait go, non? On fait quoi? Non, on peut pas faire go. On est obligé d'y aller, hein. Est-ce qu'on met ça pour continuer de taper un peu? Oui, c'est une 2-6. Je pense qu'on n'a pas besoin de protection. On a déjà beaucoup de points de vie. De toute façon, sa 2-3 va venir s'empaler sur notre 1-2. Et au cas où, derrière, on a double speed, donc c'est pas trop grave. Patate. Il n'a pas de consécration, sinon il l'aurait faite. Ah non. Je m'attendais Un Master à for la croix. Battle. Ouais. Mais non. Oh, très bien. Oh! Il lui reste un point de vie. On le fait ou pas? Ouais. Allez. Allez. Le monsieur a dit bien joué. Le monsieur. Ok. Enculé. Oh. C'est pas grave. Celle-là encore moins. Est-ce qu'on fait double Doomsayer? La réponse est oui, je pense. Ouh là là. Ouh là là. Est-ce que ça tient en plus? Il a combien d'attaques? 3. Alors, il tape à combien? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17. 17. Ah oui, on n'a pas le choix. Oh, j'aurais presque mis un dragonnet, hein. Histoire de lui mettre la pression, il est obligé de venir le chercher. Comme ça, il est obligé de tous les tuer, ouais. Ouais. Parce que là, il peut pas nous tuer. Attends, si le deuxième intendant nous tue ou pas? 17, On non. s'en branle, mais on va voir, on va voir. En fait. Non, ça nous tue pas. Hein. Ah si le couteau était allé dans nous, ça nous tuait. Ah, il n'y a pas de choix. Oh, par contre, ils sont vachement vite. Allez, Olinova. Elle demeure. Elle demeure, hein? Flashy. Ah! On est déçus. C'est pas Elle n'est grave. pas morte. Attends, attends, attends. 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Allez! Allez!
Il a juste faire pouvoir héroïque. Oui. Bah, pourquoi il a pas fait même pouvoir? pas. Ah là là. Putain, presque, presque. Oh, on aurait dû laisser Mind Blast. Oui, là c'est vrai, mais bon. Ah là là. Bon. Ah là, c'était vraiment. Flash Heal, ça a rien changé. On est Ah, rang je crois 14. pas. Du coup, on va les enlever. On enlève les flashy là. Qu'est-ce qu'on va mettre? Peut-être qu'il... Hey, mais peut-être qu'il faut mettre des clercs de comté du Nord. Ça peut être bien. Ça fait piocher, Ça ça. peut piocher, on sait jamais. En tout cas, c'est joué dans Prêtre Rêve. Allez. C'est re... Parti. parti. Notre. Qui? Voilà, exactement. Pendant le matchmaking, je cherche un petit coup à boire. À tout de suite. Allez, va chercher un petit coup dans ta maison. J'enlève mon casque, comme ça tu peux parler avec toi-même. Ah, c'est sympa, mais c'est bien, mais j'ai même pas le retour. J'aurais dû mettre ton casque sur ton micro. Comme ça, j'aurais pu m'entendre parler à moi-même. C'est intéressant. Ah, super. Super. Est-ce que je peux jouer à sa place? Eh, ça serait marrant, un mode où on puisse jouer à la place de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on regarde quoi? On est contre un guerrier. Donc, on garde Mind Games. Moi, j'achèterais juste le poulet. Oh, allez. Non, mais comme ça, on anticipe le Varian. D'accord. Donc tu m'as dit que tu t'avais pas de retour sans mon casque. Non, j'ai dit que t'aurais dû mettre ton casque sur ton micro, comme ça en fait j'aurais pu me parler à moi-même. Je me serais entendu en fait par rapport à ça. Parce que là, tu t'entends pas. Non. D'accord. Bon, bah, je restais sans casque alors. Pourquoi pas? Bah, comme ça me gêne pas les oreilles, tu vois. Ah! Je suis libre de mes mouvements, je peux me rebrushinguer et tout. Ça va, il n'y a pas de vidéo. Oui, mais nos spectateurs YouTube, si. Non, il y a la vidéo pour toi, Manon. Attends, Bon. On recommence. va pas te voir pour rechigner en fait, c'est ce que je veux dire. Bah si, il y a la caméra là. Ah bon? Bah oui, et moi je fais ça bien, tu vois. J'aime être admiré, tu vois. Est-ce qu'on fait la pièce? Ah ouais, pièce gardeur. Non. C'est bien. Mais Mind Game, c'est mieux. Non, ah non. Spécimen. Spécimen parce qu'on peut le soigner. Oui, on peut lui donner plus de. Mais il y avait beaucoup plus de meilleures cibles, hein. Et limite, quitte à être greedy à ce niveau-là, j'en ai combien de. C'est ce que je me suis dit tout à l'heure. Il meurt si on le fait direct. On va attendre un tour, on va le poser, on va faire un petit Un power petit coup word. de dessus. Bon, du coup, c'est guerrier contrôle. On sait pas encore. Ça peut être patron. Ouais, ou ça peut être con, du coup. Bon, patron.
On a quoi qui est mort? Oh, c'est un truc qui fait piocher. Ouais. C'est pas mal. Bah, ça peut être bien si jamais j'arrive pas encore à craquer sa morsure, quoi. Ah, je pense que là, il va... Je pense qu'il va le faire, quand même. Il a double fabricant, quoi. Ouais, mais ça fait pas de... Ça tue pas la bête, en fait, encore. Ah non, non, en fait, oui. Mais au contraire, nous, notre 3-8, elle pourrait aller chercher ses 1-4. C'est dans le cas, ah, bon, faut pas trop. Ah, c'est même très bien. Pas mal, c'est pas mal. Bon. On s'en fout, on comptait pas le tuer au... à l'agro. Bon, du coup, on pose lui. Un poulet teaser. C'est pas grave, on va pouvoir la résurrecter. Une chance sur 3 de ressusciter le poulet teaser. Ah, c'est un patron. C'est un patron. Ah, il est ici, c'est un peu présenté. Bonsoir. Du coup, la iPhone, elle a vachement bien en fait. Ouais, elle est pas mal. Peut-être que Nova suffira en fait. Nova, ouais. Non, bah non. Ah si, c'est bon, il peut tuer. S'il pouvait pas encore. Ouais. Faut voir qu'on jette nos armes pour pas qu'il puisse nous tuer. Ce qui est fun, c'est que le poulet teaser va peut-être transformer. Eh ben voilà. Bonjour. bon, on fait ça, hein. On fait Nova. On met un poulet. Ouais, mais j'ai pas compté qu'on pouvait pas faire les deux. Oui, clairement, clairement. Notre poulet n'est plus furieux. Il s'est calmé. Ah, merde. J'avoue que c'est pas très convo en fait. Ah, il y a les pompiers. Ouais, je vois. Désolé, il y a du pain en ville. Putain, il est quand même assez bon en foil ce... ce gardien. C'est vrai. Joue toi. Il sait pas si il doit poser une bête. Ça détruit le patron en fait. Ah oui, ça défonce. Ça défonce. C'est clair. Sérieux? Oh! Et on voilà. A gagné grâce à des poulets! Oui. C'est la victoire des poulets! C'est extraordinaire! Alors, attends, c'est la victoire du poulet repenti quoi. Il était furieux, il est devenu calme. Et c'est le anguin doré. Attention! 500 victoires. Ah, merveilleux. Félicitations. Il devient doré. Doré. Anduin doré. Voilà, du coup, l'animation est juste trop classe. Et ah, je trop... verrai sur la vidéo. On aurait pu faire un partage d'écran, cela dit, mais c'est vrai que ça aurait peut-être pris pas mal de ressources. Mon PC aurait pas suivi. Non. Ah non, ouais, très bon, très bon. Bon, bah voilà, c'est, ça c'est fait. Et bah ouais, c'est cool. Je suis bien content. Ouais, bah, merci à tous ceux qui ont participé à nous proposer
Moi, je pense qu'il faudrait du coup tweeter sur. Ouais, j'enverrai la. Nous envoyer des cartes et essayer de leur filer le lien. J'enverrai la liste. Et pourquoi pas les taguer aussi sur notre vidéo pour. Ouais. Du coup, on va refaire la liste. Merci à Marc, à Dams, à Alvard, à Antoine, à Guillaume, à Mathieu et Gaëtan, à Davy, à Victor, à Adeline, voilà, à Rudy, ainsi qu'à Ben Broad et à Bess Marmotte pour. Et à toi aussi, mais bon. Merci à toi, Campus, d'avoir proposé ça. Je pense que c'était plutôt fun. C'était 1h40 de dur à la barre. Et alors mais ouais, peut-être que la prochaine fois, limité à 10, ça peut être bien. Ça peut les. Ça, en fait, 10, ça laisse une fenêtre de création de deck, quoi. Ouais. À voir. À peaufiner. En tout cas, merci à tous. En tout cas, on va couper la vidéo et puis voilà. Nous, on va débrief après. Et bah, au revoir YouTube. Merci à vous. Ciao.